6. Ce monde où le rêve et la réalité se mélangent pour une vertu. Switchy, être témoin de ce qui va se passer. Tenter de vivre l'expérience. Ce moment restera ancré dans votre subconscient. Appliquez-vous à vivre une expérience unique, où votre imaginaire vous permettra de vivre vos rêves les plus déments. Une dernière question, instant suspens. Osez tenter l'expérience. Tenez-vous prêt. L'aventure est sur le point de commencer. Bonsoir à tous. Comme vous avez pu l'entendre, je m'appelle Max et je suis hypnotiseur. Dans quelques instants, j'inviterai certains d'entre vous à me rejoindre sur scène pour tenter l'expérience de l'hypnose. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous expliquer ce qu'est l'hypnose. Tout le monde a peur, ce côté mystique, ainsi de suite. D'ailleurs, j'en profite pour arborer un costume qui fait un petit peu peur. Ceci n'a strictement rien à voir avec l'hypnose. En réalité, l'hypnose est un état naturel dans lequel tout le monde passe à plusieurs reprises dans la journée, entre 6 et 10 fois approximativement selon les personnes. Je vais m'adresser aux personnes qui ont le permis de conduire. Un exemple très frappant, vous prenez votre véhicule le matin pour vous rendre au travail. Vous rentrez dans votre véhicule, vous démarrez, vous prenez la route. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous êtes déjà arrivé sur votre lieu de travail. Par contre, vous avez complètement oublié un tronçon de la route. C'est tout simplement parce que votre esprit, votre cerveau, est basculé en mode automatique. Il a continué à conduire votre véhicule, il a mis le clignotant à votre place, alors que vous vous étiez occupé à penser à toute autre chose. Ça doit parler à bon nombre d'entre vous, ça s'arrive régulièrement, c'est un petit peu ces moments d'absence, comme quand vous êtes concentré en train de lire un livre, en train de regarder une émission de télé, que quelqu'un vous appelle, et qu'il faut 3 ou 4 fois avant que vous puissiez l'entendre. Tout simplement, vous étiez fortement concentré dans ce que vous étiez en train de faire. Donc moi, par le biais de certaines techniques, je vous ramène dans cet état d'hypnose assez rapidement. Pour ma part, je mets entre 5 et 10 secondes pour amener ces personnes dans un état très très profond d'hypnose. Il faut savoir également que l'hypnose est un état de concentration intense. Donc pour que l'hypnose fonctionne, il faut que vous soyez tout simplement concentré. Dans quelques instants, je vais vous proposer des tests. Tout le monde peut tester. Par contre, pour une raison d'éthique, je demanderai aux enfants de ne pas tester, hormis à partir de 16 ans, tout simplement. Lorsque vous démarrez ces tests, vous allez voir que très rapidement, il va se passer des choses. Vous allez réagir à ce que je vous propose. Comme je vous ai dit précédemment, c'est un état de concentration intense. Donc dès que vous voyez qu'il commence à se passer quelque chose de votre côté, restez concentré. Ne tapez pas dans le coude de votre voisin pour dire « Eh, regarde, moi ça marche !» Là, ce sera terminé pour vous, pour votre voisin et sans doute pour 3-4 personnes autour de vous, parce que tout simplement, vous aurez été bruyant. Donc pour réaliser le premier test, tout le monde peut participer, bien évidemment. La seule chose, c'est de rester bien calme et bien concentré. Alors, tous ceux qui veulent tester, je vous invite à suivre ce que je vais faire. C'est très facile, tout le monde peut y arriver. Vous placez vos mains comme ceci. Allez-y, placez tous vos mains comme ceci. Maintenant, vous croisez tous les doigts. Vous avez peut-être déjà vu ce test à la télé. Actuellement, il y a un hypnotiseur très connu québécois qui tourne en France, M. Mesmer. Il utilise régulièrement ce test, car il est très efficace pour sélectionner les plus réceptifs d'entre vous. Maintenant, vous serrez fortement les mains pour chasser l'air que vous pouvez avoir entre les paumes, jusqu'à limite faire blanchir vos articulations. Serrez, serrez très très fortement. Maintenant, vous dressez les index comme ceci. Vous dressez les index joints. Vous placez vos index face à votre regard et vous regardez le bout de vos doigts, le bout de ces index. Je vais vous demander de ne pas les quitter des yeux tant que je ne vous avais pas demandé de faire autre chose. Alors fixez le bout de vos doigts, en continu, vous fixez le bout de vos doigts. Dans quelques instants, je vais vous demander de faire un espace d'un à 2 cm entre ces doigts. Vous les séparerez et vous regarderez le vide. Vous regarderez le vide entre ces doigts. À distance, moi je pousserai sur vos doigts et vos doigts vont se rapprocher jusqu'à reprendre la position qu'ils ont actuellement.
La seule différence, c'est que ses doigts vont complètement s'attacher, se coller et se souder. Allez-y, séparez vos doigts d'un 2 cm et regardez l'espace entre ses doigts. Et maintenant, je pousse sur vos doigts de plus en plus fortement. Je pousse encore et encore et vos doigts s'attirent les uns contre les autres d'une manière irrésistible, incontrôlable. Vous entendez la musique à l'arrière-plan et le son de ma voix et vos doigts continuent à s'approcher. Pour certains, ils sont déjà entrés en contact. Pour ces personnes qui ont les doigts qui sont entrés en contact, je vais simplement compter jusqu'à 3. Au compte de 3, vos doigts seront tellement collés, soudés, qu'il sera pour vous impossible, je dis bien impossible, de les séparer. Car avec le 1, vos doigts s'attachent, se collent, se soudent et se verrouillent de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, encore plus collés, encore plus soudés, vos doigts se verrouillent les uns contre les autres, tellement collés et tellement soudés qu'il est bientôt pour vous impossible de les séparer. Vos doigts s'attachent de plus en plus, comme pris dans un étau, ils se serrent, se collent, se soudent et se verrouillent encore et encore de plus en plus fortement. Et maintenant avec le 3, complètement soudés, impossible pour vous de les séparer. Plus vous allez forcer pour les séparer, plus ces doigts s'attachent. Allez-y, forcez, forcez. Ça colle de plus en plus fortement, ça colle et ça se soude. Allez-y, forcez au maximum de vos possibilités, tout se colle. Pour les personnes qui ont les doigts collés, je vous invite tout simplement à lever les mains au-dessus de votre tête, comme ça je puisse vous repérer. Allez-y, levez les mains bien haut, bien haut, bien haut. Encore plus haut, que je puisse bien vous voir. Pour toutes les personnes qui ont les mains décollées, tout simplement, vous applaudissez ces personnes, car elles me rejoignent maintenant sur scène. Allez, venez, rejoignez-moi. Allez-y, allez-y, venez. Très, très bien, alignez-vous devant les chaises, voilà, c'est parfait. Allez, toutes les personnes de l'assistance qui veulent tenter l'expérience, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Ah, très bien, c'est pas bien grave, s'il n'y a pas assez de chaises, je vais sélectionner les meilleurs d'entre vous, je ne pouvais pas prendre tout le monde pour le temps qui m'est imparti, le temps de travailler, par contre, très mauvaise idée de vous être assis à suite, pardon, il faut tous vous remettre debout maintenant. Je vous invite à vous étaler sur la scène, prenez le plus de place possible, séparez-vous les uns des autres, prenez de la place. Allez-y, parfait, évitez d'être à proximité de quelqu'un pour ne pas pouvoir le toucher, restez bien séparés. Voilà, séparez-vous, c'est parfait. Maintenant, on va faire un second test. Ça me permettra de sélectionner les meilleurs d'entre vous, ceux qui pourront vivre l'aventure. Ce second test est très très simple. Un peu comme le premier, placez tous vos mains comme ceci. Le dos bien droit, les pieds côte à côte éventuellement. Croisez les doigts comme ceci. Et maintenant, vous placez les mains sur votre tête. Vous appuyez fortement sur votre tête comme pour rentrer la tête dans les épaules. Appuyez, poussez, poussez. Maintenant, fermez tous les yeux. Fermez tous les yeux et continuez à appuyer et à pousser. Vous entendez la musique à l'arrière-plan, le son de ma voix. Maintenant, au compte de 3, vos mains vont s'attacher, se coller et se souder à ce crâne. Il sera pour vous impossible, impossible de les séparer. Avec le 1, vous imaginez tout simplement qu'avant de faire ce test, je vous ai placé une épaisse couche de colle entre les mains. Alors, ces mains commencent à s'attacher, à se coller, à se souder de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus collées, de plus en plus soudées. Avec le 2, tellement collé, tellement soudé, dans quelques instants, il sera pour vous impossible de séparer les mains. Les mains s'attachent littéralement contre ce crâne, de plus en plus collées, de plus en plus soudées, elles ne font qu'un avec ce crâne, ces mains s'attachent, se collent et se soudent de mieux en mieux. Et maintenant avec le 3, tellement collées, tellement soudées qu'il est pour vous impossible de séparer les mains, essayez de forcer, forcez au maximum. Allez-y, essayez de décoller, plus vous forcez, plus ça s'attache. Vous pouvez même ouvrir les yeux, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus séparer les mains. Allez-y, forcez, forcez au maximum, forcez, 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 allez-y, forcez au maximum. Très très bien, je vais simplement compter jusqu'à 3, taper les mains, et à ce moment-là, vos mains vont pouvoir se décoincer. 1, 2 et 3.
Allez-y, séparez les mains. Très bien. Toutes les personnes qui ont eu les mains qui se sont détachées, mademoiselle, je vous remercie. On peut l'applaudir pour avoir tenté l'expérience. Jeune homme là-bas au bout, j'ai appelé aussi. Merci. Ceux qui n'ont pas eu les mains attachées, vous pouvez quitter la scène, tout simplement. Tout le monde a eu les mains collées, soudées. Grosse difficulté à les enlever. C'est parfait. Maintenant, nous allons passer à la phase des inductions. Les inductions, c'est des techniques qui vont me permettre d'entrer ces gens dans un état très très profond de sommeil. Comme je l'ai dit précédemment, pour ma part, il me faut entre 5 et 10 secondes pour amener ces personnes dans cet état de sommeil. Vous allez vous rendre compte que votre corps va se relâcher immédiatement et instantanément. Un peu comme une poupée de chiffon, comme une marionnette à laquelle on aurait coupé les ficelles. Votre corps va devenir tout mou, tous les muscles vont se relâcher. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser vous écrouler au sol, je vais vous rattraper les uns après les autres. Alors pour commencer, nous allons simplement faire une grande file indienne. Venez mademoiselle, venez ici, voilà, parfait. Maintenant, tout le monde se met, hop, tournez-vous d'un quart de tour s'il vous plaît, tout le monde se met derrière mademoiselle, en file indienne, allez-y. Ici dans l'assistance, non, personne ne vient dans la file, très bien. Maintenant, je vous invite à tenir les épaules de la personne devant vous et à vous pousser pour prendre le maximum de place possible. Voilà, avancez un petit peu mademoiselle, voilà, c'est parfait. Étalez-vous les bras tendus. Les bras tendus, c'est juste pour ne pas vous toucher les uns les autres. Parfait. Maintenant, vous pouvez libérer les bras, les mettre le long du corps. Gardez les pieds côte à côte. Voilà, le dos bien droit, la tête bien droite. Vous allez tout simplement lever les bras comme ceci. Levez les bras comme ceci. Au compte de 3, vous laissez tomber vos bras lourdement, c'est-à-dire comme ceci. Très très lourd, aucune retenue. Vous les laissez tomber très très lourdement. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Maintenant, je vais simplement couper mon micro. Nous avons augmenté le volume sonore sur la scène, histoire que ces personnes puissent être concentrées. Je vous le rappelle, il faut entre 5 et 10 secondes pour amener ces personnes dans un état profond de sommeil, très profond. Tout simplement, gardez les yeux ouverts en attendant que j'arrive à vous. Je vois que certains ont les paupières très très lourdes déjà, la tête qui commence à basculer. Gardez les yeux ouverts, sinon vous allez tomber avant que j'arrive à vous. Restez bien calme, respirez calmement. Vous entendez la musique. Vous pouvez écouter également votre respiration si vous le souhaitez. Maintenant, je coupe le micro et je m'occupe de ces personnes les unes après les autres. Votre corps va devenir totalement mou et très très lourd. Je vous rattrape, je vous empêche de vous écraser au sol. Vous allez dormir tout simplement très très profondément. C'est parti. Thank you.
les personnes qui dorment actuellement. Vous reprenez contact avec le son de ma voix. Vous entendez le son de ma voix. Par contre, votre corps est lourd, très très lourd et pesant. Il est pour vous impossible de bouger. Nous allons simplement approfondir cet état encore et encore, de plus en plus profondément. Tout simplement en imaginant que du sommet de votre crâne jusqu'à la pointe de vos orteils, un fluide de détente commence à se diffuser. Un fluide qui coule en vous et qui rend ce corps de plus en plus lourd et pesant. De plus en plus relaxé, apaisé, détendu. Alors tout simplement, le fluide commence son chemin du sommet du crâne et se diffuse dans votre cuir chevelu. À son passage, tous vos muscles se détendent, se décontractent, s'apaisent. Vous vous sentez bien calme et détendu. Et à chacun des mots que je prononce, à chacune des phrases, cet état s'approfondit encore et encore, de plus en plus profondément. Le fluide arrive maintenant au niveau du front. Libérez les muscles de ce front. Rendez la surface de ce front totalement lisse, calme, apaisée. Vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus calme, de plus en plus détendu. À chacune de vos inspirations, cet état s'approfondit encore et encore, de plus en plus profondément. Alors que le fluide, lui, continue son chemin pour arriver maintenant au niveau des joues, à l'extérieur comme à l'intérieur. Les mâchoires se desserrent, se décontractent, s'apaisent. Vous vous sentez de mieux en mieux, toujours de plus en plus profondément installé dans cet état. Vous entendez parfaitement le son de ma voix et chacun des mots vous amène plus profondément, encore et encore. Alors que le fluide maintenant arrive au niveau de la colonne vertébrale, il commence par les épaules, ces épaules qui sont lourdes et pesantes, de plus en plus lourdes, lourdes comme du plomb, lourdes comme de l'acier. Vous sentez peut-être déjà une sensation de chaleur au niveau de ces épaules, une sensation de lourdeur qui s'intensifie encore et encore. Alors que le fluide, lui, reprend son chemin et dégouline le long de la colonne vertébrale. Alors, vertèbre après vertèbre, c'est tout le dos qui se détend, se décontracte et s'apaise profondément. Alors que vous, pendant ce temps, vous entrez encore plus profondément dans cet état. Votre corps s'enfonce dans le sol d'une manière confortable et agréable. Vous entrez profondément dans cet état. Alors que maintenant, le fluide arrive au niveau du torse. À chacune des inspirations, lorsque le torse se gonfle, il entre en vous. Et quand vous expirez, il alourdit ce corps encore plus, de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, le fluide arrive au niveau des jambes. Ces jambes qui sont lourdes et pesantes, de plus en plus lourdes. Lourde encore et encore. C'est un peu comme si ses jambes s'évadaient. Laissez ses jambes partir au loin, très très loin, de plus en plus loin. Maintenant, tout simplement, au compte de trois, vous allez vous imaginer prendre place dans votre lit. Vous n'allez même pas vous imaginer, vous allez prendre place directement dans votre lit. Avec le 1, vous visualisez les murs de votre chambre, les meubles, le plafond. Avec le 2, vous pouvez sentir votre lit sous votre dos, le matelas, l'oreiller, la couverture. Et avec le 3, vous voilà installé dans votre lit. Par contre, la position que vous avez prise n'est pas forcément confortable. Alors vous allez pouvoir changer de position maintenant. Allez-y, changez de position, installez-vous confortablement, mettez-vous bien dans ce lit. Installez-vous confortablement, replacez votre oreiller. Replacez cette couverture, mettez-vous bien, très très bien, parfait. Alors vous dormez profondément et vous rêvez, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous dormez tellement profondément et ça fait tellement longtemps que vous dormez que la saison a changé.
Maintenant, c'est l'hiver. Dehors, il fait très très froid. Une chose que vous avez oubliée avant d'aller vous coucher, c'est de fermer la fenêtre. Alors le vent s'engouffre. Il s'engouffre dans votre chambre et la température descend. Ce qui fait que vous avez de plus en plus froid. Il fait 5 degrés dans votre chambre. Vite, remettez votre couverture. Mettez votre couverture sur vous. Mettez-la, vous avez de plus en plus froid. Remettez bien la couverture. Vite, vite, vite. Mettez-la bien. Oui, d'accord, la température continue à descendre. 0 degrés, de plus en plus froid. Vous avez froid, de plus en plus froid. Votre corps commence à grelotter maintenant. Ça commence à grelotter de plus en plus. Moins 5 degrés, de plus en plus froid. Moins 15 degrés. Vous êtes gelé, vous êtes gelé. Vous tremblez encore et encore de plus en plus. Moins 25 degrés, il fait extrêmement froid. Vite, cherchez quelqu'un à côté de vous pour réchauffer. Vite, cherchez quelqu'un à côté. Serrez-vous à quelqu'un pour réchauffer. Vite, vite, vite. Cherchez, cherchez. Vous avez de plus en plus froid. Serrez-vous, serrez-vous. De plus en plus. Et tout ceci n'était qu'un rêve, alors vous dormez encore plus profondément. Tellement profondément que la saison a à nouveau changé. Maintenant, c'est l'été. Et il fait chaud, de plus en plus chaud. 25 degrés dans votre chambre. Enlevez cette couverture, enlevez cette couverture. Il fait trop chaud, enlevez-la cette couverture. Virez-la, vous êtes trop chaud là. Oh là là. L'air devient irrespirable, il fait chaud. Allez-y, bougez la couverture, allez, allez, enlevez-la, enlevez-la, enlevez-la. Il fait trop chaud. 30 degrés, encore plus chaud. Ça devient irrespirable. L'air est moite. Vous avez chaud, de plus en plus chaud. Et par contre, cette fenêtre étant restée ouverte, maintenant, c'est une mouche qui rentre et qui tourbillonne autour de votre tête. Vite, vite, chassez la mouche. Chassez la mouche. Elle tourne autour de votre tête. Elle vous dérange. Chassez la mouche. Enlevez-la. Enlevez-la, cette mouche. Enlevez-la. Vite, vite, vite. Elle tourne au niveau de vos cheveux. Elle passe. Enlevez-la. Enlevez cette mouche. Enlevez-la, cette mouche. Virez-la, cette mouche. C'est même pas une mouche, c'est une abeille. C'est une abeille. Vite, vite, vite. Enlevez-la, cette abeille. Enlevez-la. C'est bon, tranquillement, elle est partie. Alors tout simplement, vous vous dormez encore plus profondément. Vous vous sentez bien, calme et détendu. Au compte de 3, vous allez pouvoir vous éveiller. Par contre, à chaque fois que je vais tirer le mot dors, dormir ou dormez, pour vous, ce sera immédiat et instantané. D'une manière totalement automatique, vous retrouverez cet état de calme et de bien-être dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous vous sentirez merveilleusement bien, complètement calme et complètement détendu. La seule différence, c'est qu'à chaque fois que je dirai le mot « dors »,« dormir » ou « dormez », vous entrerez 10 fois plus profondément dans cet état. Le mot « dors »,« dormir » ou « dormez » vous amène 10 fois plus profondément dans cet état. Au compte de 3, vous vous éveillez. 1, 2, et 3, on s'éveille, on s'éveille. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, on se réveille, on se réveille. Vous pouvez les applaudir, hein, on a des très bons sujets, n'est-ce pas? C'est du bon rôle, mesdemoiselles. Je vous en prie, allez vous asseoir. Monsieur, on reste au sol, c'est dur. Hop. Je vous en prie, asseyez-vous, prenez tous place. Hop là. Ça va? Alors, y a-t-il cette chaise pour tout le monde? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir démarrer les vraies aventures. Pour l'instant, c'était simplement l'installation d'un ancrage pour pouvoir travailler avec ces personnes. Alors tout simplement, vous placez tous les pieds bien à plat au sol, les jambes décroisées, le dos bien droit, les mains sur les cuisses, comme ceci. Vous vous concentrez bien sur le son de ma voix. Fermez les yeux un instant. Fermez les yeux le temps d'un instant. Tranquillement, en restant bien calme et bien attentif, vous entendez parfaitement bien le son de ma voix, vous y restez accroché jusqu'à la fin de cette expérience. Tout simplement, bien concentré, écoutez votre respiration un instant. Entendez-la, sentez l'air entrer dans vos poumons. Et tout simplement, maintenant, la tête devient lourde et pesante, de plus en plus lourde. Dormez. Dormez, 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 de plus en plus profondément. Votre tête est lourde, de plus en plus lourde. Lourde et pesante, tellement lourde et tellement pesante que vous dormez. Pff, dormez profondément, tranquillement, vous dormez. Pff, dormez, 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 vous vous sentez merveilleusement bien. Complètement calme, complètement détendu. Vous vous sentez merveilleusement bien, complètement apaisé. Complètement apaisé, tranquillement. Merci. Merci, jeune homme. Tu peux retourner l'assistance. Tranquillement, vous approfondissez encore cet état, vous sentez merveilleusement bien.
Au compte de trois, vous allez vous imaginer adossé à un arbre dans la forêt. Avec le 1, le 2 et le 3, vous voilà installé en forêt. Installez-vous confortablement sur cet arbre, mettez-vous bien, appuyez-vous confortablement et correctement. Vous pouvez entendre le bruit des oiseaux au loin, la rivière qui coule à l'arrière-plan tranquillement. Et vous, pendant ce temps, vous êtes seul dans cette forêt, agréablement installé sur cet arbre. Vous vous sentez bien, calme et détendu. Vous avez bien évidemment un équilibre parfait sur cet arbre. Vous êtes adossé, vous êtes bien, rien ne peut vous perturber, impossible pour vous de tomber. Car vous êtes bien installé, vous vous sentez bien, calme. Seul avec vous-même, vous en profitez pour vous ressourcer, vous apaiser. Vous êtes tout simplement bien, ce moment est agréable. Vous vous sentez détendu, calme, vous profitez de la nature, tout simplement. Par contre, une chose à laquelle vous n'aviez pas prêté attention avant de vous installer au pied de cet arbre, c'est qu'à proximité de vous, il y a un nid de fourmis. Il y a un nid d'énormes fourmis qui commence à rentrer dans vos chaussures maintenant. Et elle rentre dans vos chaussures et ça vous gratte. Ça vous gratte, mais c'est horrible, ça gratte de plus en plus. Vite, enlevez les chaussures, il y a plein de fourmis qui rentrent dedans. Videz vos chaussures, vite, vite, on enlève les chaussures. Les fourmis, elles montent le long des jambes. Elles remontent le long des jambes, ça vous gratte. Encore plus fortement maintenant, ça gratte, ça devient insupportable. Il y en a plein dans toutes vos chaussures. Il y en a partout dans les chaussures de plus en plus. Mais tout ceci n'était qu'un rêve. Alors vous vous apaisez encore plus profondément. Adossé sur cet arbre, vous vous sentez merveilleusement bien. Complètement calme. Complètement détendu. Vous en profitez encore et encore pour vous relaxer, vous apaiser. Vous êtes tout simplement bien. Adossé sur cet arbre. Au compte de trois, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous éveiller. À chaque fois que je vous dirai le mot dort, dormir ou dormez, vous entrerez 10 fois plus profondément dans cet état. 10 fois plus profondément. Au compte de trois, tout simplement, vous débloquez les paupières et vous éveillez. 1, 2 et 3. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Tout le monde se sent bien? Tout le monde est en pleine forme? Ça va? On dirait que c'est le matin, effectivement, après une bonne sieste. Alors, je vais poser une question au jeune homme ici, à l'extrémité. Hop. Parfait. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux connaître votre prénom, s'il vous plaît ? Jérémy. Ça va, Jérémy ? Ça se passe bien ? Vous avez la tête un peu lourde, des paupières lourdes aussi ? Alors, tout simplement, vous regardez mes doigts, et quand ils claquent, vous dormez. Vous dormez profondément. Très, très bien, cher. Maintenant, je vais tout simplement aspirer son prénom. Je le range dans ma poche, je vous le rendrai tout à l'heure. Pour vous, il est impossible de vous souvenir de votre prénom. Plus vous allez chercher, plus ça va partir loin, très très loin. Impossible pour vous de vous en souvenir. Au compte de trois, vous éveillez. 1, 2, 3, éveillez-vous. Bonsoir, ça va? Oui. Ça se passe bien? Pour l'instant, ça va, ça roule? Donc je me suis présenté il y a quelques instants, pour ma part, c'est Max. Je voudrais connaître votre prénom, s'il vous plaît, qui est parti loin maintenant. Votre prénom, comment vous appelez-vous? Votre prénom? Bah quand même, votre prénom, c'est la moindre des choses. Moi c'est Max, et vous c'est? Nicolas. Nicolas? C'est quoi de ce prénom? C'est quoi votre prénom? Vous n'en savez rien? Vous ne savez pas votre prénom? Regardez mes doigts? Dormez. Tranquille. À partir de maintenant, vous appelez Gustave. Vous êtes toujours appelé Gustave depuis que vous êtes tout petit, c'est votre prénom. C'est le prénom que vous ont donné vos parents. Au compte de trois, vous éveillez. 1, 2 et 3. Bonsoir. Ça va? Ça roule? Est-ce que je peux connaître votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Max. Et vous, c'est? Jérémy. Oh, c'est marrant, ça. Vous êtes sûr? Certain? Vous êtes sûr que c'est Jérémy, votre prénom? Ah bon? C'est pas grave, dormez. Profondément. Bon, c'est bizarre. Il a récupéré son prénom en cours de route, chose qui ne se passe pas habituellement. Au compte de trois, vous éveillez. 1, 2, 3. Éveillez-vous. Ça va, ça roule? Votre prénom, c'est? Jérémy. D'accord, on est d'accord, tout va bien. Jérémy, on va profiter. Est-ce que vous êtes sportif? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec ces tréteaux? Vous m'avez l'air inquiet. Oui. Est-ce que vous vous croyez capable de tenir comme une barre de fer posée entre ces deux tréteaux? Est-ce que c'est possible pour vous?
Peut-être. Peut-être. Est-ce que vous voulez essayer? Avec l'aide de l'hypnose ou sans l'aide de l'hypnose? Avec l'hypnose. Très bien. Alors j'ai demandé à deux personnes du public de bien vouloir venir me rejoindre, deux hommes forts, pour m'aider à porter tout simplement notre ami Jérémy ici présent. Alors venez vous rejoindre. En attendant, Jérémy, venez avec moi s'il vous plaît. En attendant aussi, je vais présenter un petit ustensile à toutes les personnes qui sont derrière nous. Ceci. Alors ceci, c'est un pistolet hypnotique. Le pistolet hypnotique, ça me permet de vous entrer dans cet état 10 fois plus profondément. Il me suffit simplement de vous viser entre les yeux. Et lorsque vous entendez le bruit de la détonation, vous entrez dans cet état très très profond, 10 fois plus profondément. Simplement, lorsque je tiens dans vos yeux, entre les yeux, pardon, et que vous entendez la détonation, vous rentrez très très profondément dans cet état. Comme ceci, de mieux en mieux. La tête est lourde, très très lourde, et vous rentrez profondément dans cet état. Comme pour mademoiselle, par exemple, un équilibre parfait. Très très bien, un équilibre parfait, impossible pour vous de tomber. Je peux également le mettre en mode mitraillette automatique. Très très bien. Vous entrez encore plus profondément dans cet état à chaque instant qui passe. La tête est lourde et pesante, les paupières se verrouillent et se collent. De plus en plus. Messieurs, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça va être très simple. Je vais rendre notre ami ici présent complètement dur comme une barre de fer. L'un d'entre vous va l'attraper par les épaules, l'autre l'attrapera par les chevilles. Nous commencerons par poser les chevilles sur les tréteaux, ensuite les épaules, bien les épaules, pas la nuque, ça ne sert à rien de le stimuler un peu trop, on risquerait de le blesser. Tout simplement, on va le poser comme une barre de fer sur les tréteaux. Suite à ça, vous mettrez un tout petit peu en retrait, vous tiendrez juste les tréteaux pour être sûr que ça ne glisse pas, il n'y a pas de raison, mais ne sait-on jamais. Jérémy, vous êtes prêt? Très bien, alors vous placez face à moi. Alors, je vous fais signe, messieurs, ne vous inquiétez pas, je vous dis lorsqu'il faut attraper les épaules, les chevilles, hein, ça roule. Alors, pour l'instant, vous me regardez dans les yeux. Au compte de 5, vous allez dormir profondément, mais vous conservez un équilibre parfait. Avec le 1, vous pensez à votre bras droit. Avec le 2, votre jambe gauche. Le 3, votre jambe droite. Le 4, votre bras gauche. Et le 5, dormez. Pff, dormez, dormez, dormez. De plus en plus profondément. Maintenant, vous allez juste vous concentrer sur ce bras-ci. Serrez le poing très, très fortement, de plus en plus fortement. Et maintenant, c'est tout le bras qui se verrouille, qui devient de plus en plus dur. Tirez sur ce bras, forcez sur ce bras de plus en plus dur, raide, rigide, une barre de fer. Maintenant, c'est de la main droite. Serrez ce poing, serrez, serrez, plus fort encore, de plus en plus fortement. Et chou, il se rigidifie, totalement dur, raide, rigide, une véritable barre de fer. Maintenant, c'est les jambes chou, qui se collent, se serrent, se verrouillent de plus en plus. Tous les muscles se bloquent encore et encore, de plus en plus fortement. Et maintenant, c'est la colonne vertébrale chou, qui se rigidifie, de plus en plus dur, raide et rigide, une véritable barre de fer. Je bascule votre corps en arrière. On attrape les épaules maintenant, prenez les épaules. Votre corps rigidifie encore et encore. Plus il bascule, plus il devient dur, raide, rigide. On attrape les chevilles et il est encore plus dur, encore plus raide, encore plus rigide, une véritable barre de fer. On pose les chevilles. Maintenant, on pose les épaules et le corps se rigidifie, il remonte. Il remonte de plus en plus fortement. On monte, on monte, on monte et tout se verrouille. Tout se bloque. La colonne vertébrale se bloque dans la position maintenant. Elle se bloque, elle se coince. De plus en plus, elle se verrouille, elle monte encore et encore, de plus en plus haut, de plus en plus dur, raide, rigide. Vous pouvez lâcher les pieds, tenez juste les tréteaux. Et maintenant, sentez votre jambe gauche qui devient légère, de plus en plus légère, et elle s'élève maintenant. Votre jambe gauche s'élève de plus en plus, tout en devenant de plus en plus rigide. C'est votre jambe gauche qui se lève encore plus haut, de plus en haut, encore plus légère, comme ceci. Et maintenant, elle redescend tranquillement. On attrape à nouveau les épaules et les chevilles, rattrapez-le, on relève ce corps maintenant. Allez-y, on relève, on relève, on relève. Venez juste à moi, on pose les chevilles au sol, les pieds au sol. On redresse le corps, on redresse le corps. Qui récupère sa souplesse maintenant, tranquillement, comme ceci, très très bien. Et au compte de 3, vous pouvez vous éveiller. 1, 2 et 3, et éveillez-vous. Éveillez-vous, on peut applaudir notre ami qui va nous donner un petit peu ses impressions. Alors, comment ça va? Ça va. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? Pas forcément. Donc en fait, on vous avait dit, on vous a posé entre les tréteaux et votre jambe gauche s'est élevée vers le ciel. Vous teniez que sur une jambe et sur les épaules. Donc vous croyez que c'était pas possible, mais vous avez quand même réussi. Donc je vous remercie, on peut l'applaudir. Vous pouvez reprendre votre place. Lorsque vous asseyez sur votre chaise, vous dormez profondément. Vous endormez très 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 profondément. Comme ceci, la tête est lourde et pesante, et dormez, dormez. Très très bien.
Alors, tout simplement, nous allons faire un autre effet individuel avant de laisser place aux majorettes. Donc, je me permets de faire une petite pub très rapidement. Pour ma part, c'est Max Hypnosis, M-A-2-X, Hypnose. À la place du E, vous mettez IS. Il y a plein de vidéos sur Internet, sur Facebook, YouTube et autres. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez une demande pour une prestation particulière. Tout simplement, là, je vais travailler rapidement avec cette demoiselle. La personne que je touche est uniquement la personne que je touche. Au compte de 3, va pouvoir s'éveiller. Par contre, je lui aspire le chiffre 4. Impossible pour elle de se souvenir du chiffre 4, car elle a toujours appris à compter depuis toute jeune. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce, depuis toujours. Au compte de 3, on s'éveille. 1, 2 et 3. Bonsoir, mademoiselle. Ça va? Oui. Est-ce que je peux connaître votre prénom, s'il vous plaît? Linda. Linda. Très bien, Linda. Attendez, je vais passer devant. Hop. Alors, Linda, une question. Combien avez-vous de doigts sur l'ensemble de vos deux mains? 10. 10. Vous en êtes sûr? Oui. D'accord. Je vais vous demander de bien vouloir mettre vos mains comme ceci. Hop, très bien. Et à chaque fois que je vais toucher un de vos doigts, vous allez simplement le citer bien haut et bien fort. C'est-à-dire 1, 2 et ainsi de suite. On est d'accord? Alors, bien haut et bien fort. Hein. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Vous m'aviez dit que vous aviez 10 doigts il y a quelques instants. Vous en avez combien? 11. 11. Alors, c'est 10 ou c'est 11? 11. 11. D'accord, depuis toujours? Oui. Oui, depuis toujours, d'accord. C'est très bien. Placez les mains jointes comme ceci, très bien, et on va les compter deux par deux. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire deux, et puis vous les citez bien oui, bien fort, ainsi de suite. On est d'accord? C'est parti, hein? 2, 5, 7, 9, 11. 11, voilà, c'est parfait. C'est très bien, donc jusqu'à là, tout va bien. On va les compter en sens inverse, si vous voulez bien. Alors, vous mettez vos mains comme ceci à nouveau, et vous m'aviez dit initialement que vous aviez 10 doigts, hein? C'est bien ça? 10 doigts? Ok, donc on va commencer à 10. Et on va décompter 9, 8 et ainsi de suite. Ça marche? Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. 0. D'accord, vous avez un doigt 0. C'est bizarre votre affaire là. Hein, on va toujours un peu à compter en commençant par 1. Bon, c'est pas grave. On va faire. Libérez vos mains, laissez-les tranquilles. On va faire un peu de calcul mental niveau CE1. Vous allez gérer, ça va aller? Ok, alors très simple. 1 plus 1. 2. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. 3 plus 3. 6. On est toujours d'accord. 2 plus 2. 5. 5. D'accord. Et maintenant, 2 plus 3. 6. 6. Ah, et 3 plus 3. 6. 6 aussi. Alors, 2 plus 2, 5. 2 plus 3, 6. Et 3 plus 3, 6. Il n'y a rien d'anormal pour vous. Dites-moi un peu. On recommence, allez. 2 plus 2. 5. 5. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord dans le public? 2 plus 2, c'est bien 5? Non. Non, apparemment, ils ne sont pas d'accord. C'est pas grave. Regardez juste mes doigts. Dormez. Dormez profondément. C'est parfait. Il vous manque un chiffre. Le chiffre, c'est un chiffre qui est entre le 3 et le 5. Et c'est le chiffre prout. Vous avez toujours à vous raconter 1, 2, 3, prout. 5, 6 et ainsi de suite. Au compte de 3, vous éveillez. 1, 2, 3. Éveillez-vous. Bonsoir. Ça va? Oui. C'est Linda, votre prénom. C'est bien ça? Oui. Ok. Linda, combien avez-vous de doigts sur votre main gauche? 5. 5. Vous pouvez vous mettre votre main comme ceci et comptez bien oui bien fort. 1, 2, 3, 5. D'accord. On est d'accord, c'est bien ça. Bon, bah, c'est parfait, vous avez bien 5 doigts. 3 plus 3. 6. 3 plus 3, 6. Nous sommes d'accord. Et 2 plus 2. Prout. D'accord, 2 plus 2, prout, effectivement. On est d'accord. Et des soustractions, 6 moins 2. Prout aussi. Décidément, il y en a beaucoup. Hein. Ok, ça va, vous sentez bien? Oui. Tout simplement, vous dormez. Dormez profondément. Je relève le chiffre prout, je vous replace le chiffre 4. Depuis toujours, vous avez pris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au compte de 3, vous éveillez. 1, 2 et 3. Éveillez-vous. Ça va, Linda? Ça roule? Juste une petite vérification. 2 plus 2? 4. 4. On est d'accord, tout va bien. Vous pouvez dormir. Vous pouvez l'applaudir. Très bien, nous avons laissé place
aux majorettes. J'espère que cette petite animation vous a plu tout de même. C'était court, mais ça devrait aller. Alors, tout simplement, toutes les personnes qui dorment actuellement sur la scène, au compte de 5, vous allez vous éveiller en pleine forme, complètement ressourcé et ravi de l'expérience que vous aurez pu vivre aujourd'hui. Tout simplement, avec le 1, vous ressentez vos pieds contre le sol. Vous sentez l'énergie qui commence à entrer dans vos jambes de plus en plus fortement. Avec le 2, à chacune de vos inspirations, toute cette énergie entre en vous encore et encore pour vous rendre en pleine forme, de plus en plus actif. Avec le 3, c'est tous les muscles de ce corps qui se réveillent encore et encore. Les mains, les pieds, les jambes, les bras, tous les muscles se réveillent. Avec le 4, vous êtes de plus en plus éveillé, vous savez parfaitement où vous vous trouvez. Et pour le dernier chiffre, c'est avec l'applaudissement du public que vous allez pouvoir vous éveiller. 1, 2, 3, 4, 5. Revenez ici maintenant. Parfait, très bien. Alors, je vous espère que tout le monde se sent bien. Ça va, ça roule, on se sent bien ? On se sent bien, parfaitement bien. Ok, impeccable. Ça roule, jeune homme ? Ça va ? Ça va ? Ça va, madame ? Impeccable. Mademoiselle, ça va ? Jeune homme au bout ? Parfait. Merci à vous, bonne fin de soirée. Bravo à toi. Bon, les amis, Max. Max, tu te fais juste. Impeccable.